Allô Amélie. Salut. Salut, ça va bien? Oui, toi? Oui, on est vraiment contente que tu sois sur la chaîne du magazine Cool aujourd'hui. Moi aussi. Fait que tu vas nous montrer un petit peu ton décor de YouTube. Mon studio. Si tu pouvais nous décrire ta chaîne en trois mots, ça serait quoi? Je pense que j'utiliserais le mot humour parce que je veux toujours faire rire les gens qui viennent sur ma chaîne. Au moins une fois par vidéo, là, je pense que c'est mon objectif. Sinon, ben, je pense qu'on peut y aller pour le thème girly, rose. Évidemment, c'est vraiment mon univers, ça ressemble à ça. Puis sinon, ben, j'irais tout simplement avec le mot lifestyle, donc c'est le style de vidéo que je fais. Je serais d'accord. Puis est-ce que tu peux nous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a ici, dans cette magnifique pièce? Donc en fait, cette pièce-là, c'est vraiment mon studio, c'est pas ma chambre, je ne dors pas ici, personne dort ici. Mais quand j'ai décidé de me faire un studio, ben il y avait déjà le lit dans le sous-sol, puis on devait le garder. Donc je me suis dit que j'allais l'inclure. J'ai trouvé un beau couvre-lit chez HomeSense. Very là, cute. Voilà, je l'ai inclus. Puis ensuite, ben je me suis juste acheté des accessoires qui font vraiment chambre. Puis en même temps, j'ai quand même pas trop dépensé. J'ai vraiment trouvé ce qu'il y avait dans la maison. Vraiment? Puis sinon, utilisé les sites de revente. Là, puis cool. Je me suis créé une deuxième chambre. C'est vraiment cute. Très Pinterest, comme on dit. Puis mettons, c'est quoi la chose que tu préfères en tant que YouTubeuse? Je pense que j'aime vraiment la liberté de vidéo que je peux faire. Là. Je peux faire vraiment ce qui me tente. Puis j'ai un public quand même assez ouvert là, sur bien des sujets. Puis c'est quand même des jeunes. Fait que je trouve ça le fun aussi de pouvoir être un modèle. Puis c'est ça, leur montrer un peu mon univers. C'est nice. Est-ce que tu pourrais nous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a en arrière ici? Dans l'étagère? Oui, dans l'étagère. Il y a beaucoup de choses. On a du temps. Ouais, j'ai comme plein de petites décos que j'arrête pas de trouver un peu partout, puis je les rajoute à chaque fois. Donc, il y a des lumières, il y a des cadres, il y a des boîtes. Je suis une fan de boîtes. Ah oui. Je suis sûre que je suis pas la seule. Mais les gens achètent beaucoup de boîtes, genre au HomeSense, puis au Winners. Elles sont vraiment belles. Donc, des boîtes. Cool. Mais j'aime vraiment aussi la petite thématique de couleurs. C'est quoi, mettons, les couleurs que t'aimes le plus pour mettre dans tes vidéos? Définitivement des couleurs là, bright, là, du rose, du jaune. Des pastels. Oui, du pastel. Tu sais, c'est sûr que des fois, je vais porter des couleurs noires. Puis on dirait qu'en allant m'asseoir pour filmer, je trouve que je suis bien contrastée avec mon décor. Mais tu sais, je m'empêche pas quand même. Mais c'est sûr que j'y vais plus pour des couleurs cute. Cool. Puis mettons une semaine dans la vie d'Amélie Barbeau, youtubeuse à temps plein. Ça ressemble à quoi? C'est sûr qu'il y a du gym. Ça, il y a du gym. Ce que je trouve très le fun, c'est que j'ai l'opportunité justement d'y aller quand ça me tente. Donc, je commence ma journée avec ça. À 8h ou à 9h du matin, je suis au gym. Après ça, ben, je vais faire de la recherche de vidéos. Qu'est-ce que je veux poster? Qu'est-ce que je veux filmer? Est-ce que j'ai des sponsors à créer? Donc, est-ce que j'ai du contenu à donner pour certaines dates? Puis après ça, ben, je vais filmer, faire le montage, puis... ouais, ça ressemble pas mal à ça. Nice! Est-ce que tu pourrais... on va s'en aller près de ton bureau voir. Bien sûr. Est-ce que tu édites tes vidéos-là? Est-ce que tu fais le montage ici ou ailleurs? Non, ici, je vais utiliser le bureau pas mal si je fais des vidéos de tests ou de cuisine en bas. Donc là, j'en ai vraiment besoin, c'est pour ça que je l'avais acheté. Mais sinon, j'ai ma chambre pour ça. OK. Puis tu sais, maintenant, j'avais une question que je voulais vraiment poser. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les YouTubeurs font YouTube justement pour l'argent ou les vues. Mm-hmm. Mais toi, pourquoi est-ce que tu fais tes vidéos? Moi, j'ai commencé parce que j'aime ça parler. J'adore parler, je parle tout le temps. Puis, quand j'ai découvert qu'on peut faire des vidéos YouTube, je me suis dit, ça, c'est pour moi. Donc, j'ai commencé ça, puis éventuellement, c'est vraiment devenu comme, tu sais, une passion, puis éventuellement un travail. Fait que c'est vraiment le fun. Mais au début, c'était vraiment pas prévu que ça soit mon travail, puis que je sois encore là aujourd'hui. OK. Puis ici, j'ai vu que t'as une petite caméra ici. Oui! Ça fait-tu longtemps que tu l'as? Non, j'ai dû la remplacer parce que quand je suis allée au Texas en septembre 2017, je l'ai brisée. Je suis revenue du voyage, puis l'écran marchait plus. Donc, j'ai dû aller m'en trouver une nouvelle. Ben quand même, ça fait quand même déjà bientôt 2 ans. Mais en tout cas, pour moi, elle est encore nouvelle, on dirait. Je la découvre encore des fois. Puis, mettons, est-ce que tu as un type de vidéo que tu préfères filmer? J'aime vraiment les vidéos... tu sais, assise où tu fais juste parler à la caméra, mais c'est sûr qu'au montage, c'est plus fun faire du montage de vidéos de DIY, puis tu sais, quand il faut que tu inclues beaucoup de choses, là, les cuisines là, surtout, là, ça j'aime ça, là, c'est vraiment le fun. Nice. On va aller sur ton lit 2 petites secondes pour finir ce petit tour. Je trouve ça vraiment cute, ce petit sofa-là, ça vient d'où? Ikea. Évidemment. Ikea, c'est vraiment ça, la il place. Il était déjà ici, ouais, il était dans ma chambre à ma soeur, puis elle a voulu mettre une bibliothèque plus tôt, donc on l'a enlevé, puis moi je l'ai récupéré ici. Puis là, nice. si elle s'en va en appartement, je vais être vraiment triste parce que je veux pas qu'elle l'amène. Oh, ouais, je comprends. On s'assoit sur ton lit pour la petite dernière question. Mm-hmm. Je veux savoir, mettons, qu'est-ce qui va se passer durant le printemps sur la chaîne d'Amélie Barbeau? Qu'est-ce que tu nous prépares?
Ben, j'ai un projet qui sort au printemps. Mmh. Donc, il y a ça que je vais probablement en parler. Puis sinon, ben, au printemps, c'est les vidéos d'été qui arrivent. Puis ça, c'est toujours ben, ben le fun. C'est toujours des vidéos plus, je sais pas, c'est comme plus léger, c'est beau, il fait beau, on est bien. Ouais. Fait que, ouais, ça va être des vidéos de DIY, puis des routines, des choses comme ça. Nice! Ben, en tout cas, j'ai vraiment aimé t'interviewer dans ton petit studio. On va se donner la main. À plus tard, à bientôt, oui. Puis on va se revoir sur YouTube prochainement. Bye! Bye!